L'appartement. C'est un appartement banal au deuxième étage d'un immeuble de centre-ville. 50 mètres carrés, une chambre, une grande baie vitrée qui donne sur une terrasse. Pour l'instant, la baie vitrée est condamnée et c'est pas plus mal car depuis 6 jours que l'électricité s'est arrêtée, le froid serait entré bien plus facilement. J'ai encore quelques jours de bougie et l'horloge fonctionne. Sans elle, je crois que je ne distinguerai plus vraiment le jour de la nuit. Je viens de retrouver ce vieux dictaphone et quelques piles. Je vais essayer d'en profiter pour organiser mes idées. Ça va faire 3 semaines que je n'ai parlé à personne. À part au chat, évidemment, mais il n'est pas spécialement bavard, sauf quand il a faim. J'estime d'ailleurs à environ 20 jours le reste de nos provisions. 15 pour l'eau. J'ai pu rapporter beaucoup de choses. Ma sortie de ce matin au supermarché s'est produite sans rencontre. Enfin, c'est ce que je croyais. À l'aube, j'en avais encore jamais vu et pourtant... Il m'a suivi et il frappe contre la porte depuis plus de 10 heures, sans arrêt, quasiment. J'ai pas fait assez attention. Évidemment, il a pas assez de force et elle cédera pas, enfin, j'espère. J'ai vissé les montants de la table dessus. Ce sera gênant pour la prochaine sortie, mais ce n'est absolument pas ma première préoccupation pour l'instant. Pour l'instant, il est là, il attend et il me le montre. Le premier a été découvert il y a environ 2 mois, et personne ne s'était douté de rien. D'ailleurs, on n'en a jamais entendu parler. C'est seulement quelques jours après, quand Londres a été touchée, que les télévisions ont commencé la diffusion. Jusqu'à ce qu'il passe la Manche. Et depuis, plus rien. Plus de téléphone, enfin, j'ai pu parler à mon frère, et pas longtemps. Il allait bien il y a 22 jours. Il est réfugié, lui aussi. Ou il était, en tout cas. Et puis, il y a... Enfin, elle était au travail ce jour-là, et pendant 4 jours, son portable a mené directement sur sa messagerie. Puis, plus rien. J'ai coupé le mien et j'ai sorti la batterie. On sait jamais, ça pourrait servir plus tard. Ou pas. Il y a un point que les manuels de survie ne doivent pas aborder, à mon avis. C'est que faire quand on y arrive. Enfin, je veux dire, seul, ici, à l'abri, le temps passe lentement. Trop lentement. Je dors peu et depuis 3 semaines, je lis. Je redécouvre l'ancien monde à la lueur d'une bougie. Des livres qui traînaient dans ma bibliothèque depuis des années et qui attendaient le bon moment pour être lus. Vian, d'abord. Sartre, et enfin Camus. J'ai trouvé ce matin une phrase qui m'a fait beaucoup rire. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. L'appartement. Il est 7h du matin. Je n'ai pas dormi. À chaque fois que mes yeux se ferment, cet abruti frappe contre la porte. Je refusais de l'admettre, mais je dois agir. Et maintenant? La porte grince un peu. Finalement, je suis même plus sûr qu'elle tienne. Je dois agir. Je dois agir. Je dois agir. Ok, le plan est simple. Je dévisse la porte, je prends un pied de la table, j'ouvre la porte et je frappe de toutes mes forces sur son crâne. Il est seul, il est lent, je peux le prendre de vitesse. Il risque d'être déstabilisé si j'ouvre brutalement. Et je dois en profiter pour prendre le dessus et le tuer. Thank you.
Il est 7 h 02 min. Je ne pensais pas que tuer un homme pouvait sembler aussi long. Je ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, ce n'est plus un homme. C'était une chose, une affreuse chose. Il y a des beaux, des affreux, des neutres et il faut faire avec. Il ne m'aurait pas laissé une seule chance et je ne devais pas lui en laisser une. L'appartement est sans dessus-dessous. Je dois me reprendre, fermer la porte, vérifier que ces cris n'ont pas attiré ses congénères. Je dois nettoyer, c'est ça. Désinfecter et nettoyer. Il n'a pas perdu autant de sang que je le pensais, mais... Enfin, je ne dois pas laisser cette chose ici, ni ce qu'il transporte. Je dois survivre, coûte que coûte. Je ne peux plus faire demi-tour. Plus maintenant. Non! Non! Connard de chien! Touche pas à ça! Non! Non! Connard! Putain, fallait que tu bouffes! Putain! Putain! Dehors! Dehors! Fous le camp! Fous le camp sur la terrasse! Fous le camp! Dehors, connard! Putain! Merde! 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 L'appartement. C'est assez ironique. Depuis 2 jours que l'on ne frappe plus à la porte, voilà ce à quoi j'ai le droit en continu. Ce con de cham part en pleine forme, et je le laisse encore 12 heures dehors, et la quarantaine sera levée. Je n'ai plus qu'une seule envie, dormir. Dormir, dormir, je veux dormir. Nous sommes le... J'ai un peu oublié de compter les dates en fait. Mais je n'ai plus que 2 jours de ration d'eau, presque moins fruits secs, plus de biscuits, plus de riz, ni de sardines. En fait, les seuls aliments qui se conservent facilement et qui ne nécessitent pas trop de préparation sur mon sommaire matériel de camping. Ah oui, je n'ai plus de croquettes non plus. Il est vraiment grand temps d'aller en course. Je dois être encore plus discret et attentif cette fois. Je ne peux pas me retrouver dans la même situation que la dernière fois. En fait, je n'ai plus qu'à fixer le dictaphone. C'est vrai que depuis que je lui parle, je me sens presque vivant. Je n'entends plus ses chuchotements dans ma tête. Mon ton, mon ancienne voix reviennent. Un peu comme si j'avais trouvé un public qui m'écoute. Et pourquoi ne pas l'emmener avec moi? J'ai presque l'impression qu'on finira par entendre ce journal de bord. Bon, bah ça me paraît fixé. Allez, je peux y aller, on y va. Ok. J'ai toujours le réflexe d'appuyer sur le bouton à la lumière, ça sert à rien. Il n'y en a plus. Allez, j'ouvre la porte de l'immeuble.
qu'il n'y a rien à gauche, rien à droite. C'est même plutôt beau. Personne ne nous observe. Et je continue. Je débouche sur la rue principale. J'habite à côté de la gare. Ici et là, on trouve encore des marques au sol. Celles qui devaient servir pour l'évacuation. Et le pire, c'est qu'elle s'est bien déroulée. Le problème a plutôt été l'arrivée du train. Quand il est arrivé en gare, normalement décontaminé. On raconte que personne n'aurait survécu. Ok, j'y suis. Pour accéder à l'intérieur du supermarché, c'est un peu complexe. J'ai trouvé ce passage par hasard, mais un peu d'escalade de poubelle n'a jamais fait de mal à personne. Hey. Ok. C'est parti pour une petite séance shopping. J'aime me promener dans les rayons du supermarché. C'est un peu mon dernier lien avec la civilisation. Je n'ai plus qu'à imaginer. Tout d'abord, une musique d'ambiance. Les caddies qui passent. Le bruit de la caisse enregistreuse. Des clients. C'est incroyable, mais je ne pensais pas que ce serait une des choses qui me manquerait le plus. J'aime me promener dans les rayons du supermarché. Ok, je vais pouvoir rentrer et... Merde! Putain, ils sont deux juste devant la sortie. Pas tout proche, mais avouons-le franchement, je pue. Il y a peu de chances que j'arrive à passer aussi près d'eux sans qu'ils ne me remarquent. Merde, merde! Ok, réfléchis. Il y a l'entrée du parking de l'autre côté. J'y suis déjà passé et ça donne sur une porte à sas. S'ils me poursuivent, ils ne pourront pas l'ouvrir. En courant rapidement, je vais pouvoir le faire. Mais je dois y aller. Maintenant. Je trace là, putain! Voilà ce qui vient de se passer. Au moment où je suis entré dans le parking, un puits de lumière éclairait un côté. Et j'ai crié. Y'a quelqu'un? Je me suis approché de la lumière et j'ai vu un takiwoki sur le sol. Oh putain, excellent. Allô? Répondez! Allô, répondez s'il vous plaît. Allô? Et soudain je l'ai vu. Dépassant du coffre d'un Range Rover, à côté d'un cadavre. J'avais déjà vu ce genre de fusil dans les reportages sur les groupes d'intervention. Et aussi dans Resident Evil. C'est d'ailleurs beaucoup plus grand que ce que je pensais en vrai. Et je me suis littéralement pété l'épaule avec le recul. Il était chargé, prêt à être utilisé, et je pense que je l'ai bien utilisé. Au fait, il y a même un de ces cons qui a réussi à prendre un pola. J'y crois pas.
seul dans le noir, à la lueur d'une bougie. J'attends sans espoir un cri dans la nuit. Depuis longtemps, hélas, j'ai déjà saisi. Je suis seul, le temps passe, l'amnésie. L'obscurité est telle que lorsque j'entends crier, je ne saurais dire si c'est en rêve ou dans la réalité. Sans trace, je chasse les zombies devant d'un geste efficace l'appartement. J'ai un gros problème maintenant. J'ai plus rien à manger. J'ai été obligé d'abandonner mon butin. En partant, j'ai entendu des hurlements derrière le bâtiment. Ils étaient facile une vingtaine. Ils bloquent le seul passage vers ma survie. Cet endroit est compromis. Il faut que je trouve un autre appartement, une autre ville. Je suis pas vraiment sûr d'y arriver. Je suis même plus sûr du tout d'en avoir envie. Est-ce que tout ça en vaut la peine ? Tom ! Tom ! Réponds, putain ! Ça fait 4 heures que tu m'es plus. Réponds, Tom ! Je fais quoi là ? Ce que je vis depuis 3 mois va radicalement changer à ce moment précis. Je peux pas laisser passer ça. Allô ? Tom, t'es où bordel ? Ça fait 4 heures qu'on essaie de te choper. Celui est un on. Un on qui veut dire d'autres survivants. Je pensais que t'étais mort, ou alors que t'étais devenu une de ces saloperies. Remarque, c'est plus pour le physique, ça faisait chier. Désolé, je suis pas Tom. Putain, mais t'es qui, mec ? J'ai trouvé le fusil dans le range, et je crois que Tom y était aussi. D'après ce que j'ai vu, il va bientôt les rejoindre. T'es quoi, toi ? Un putain d'expert ? Attends, t'as le fusil ? C'est toi qui as tiré tout à l'heure ? Ouais, c'était moi, ouais. Bon, bah on n'a pas tout perdu, alors. On peut voir ça comme ça, ouais. Vous êtes combien et vous êtes où ? Vous avez survécu comment ? J'ai pas croisé un seul survivant depuis au moins un mois. Hey, t'emballe pas, mec. Tes questions, j'ai les mêmes pour toi. Alors va bien prendre son temps, ok ? Ouais, ok, désolé. On est 5. Enfin, on était 5. Si tu vois la tour Neva, c'est celle qui... Ouais, celle qui dépasse au bout de la ville. Eh ben, on squatte le 35e, mec. Efficace. Un peu galère si vous avez oublié le pain, mais... Ça doit mettre à l'abri, effectivement. Ouais, enfin, ce qui me mettait à l'abri, surtout, c'est le fusil que t'as piqué, si tu veux tout savoir. À toi, t'es qui ? T'es où ? Je suis seul, enfin, j'ai un chat. Je suis dans un appartement du centre-ville, ça fait 3 semaines maintenant, je crois, à peu près. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je m'appelle François. Demande-lui s'il est blessé. Ouais. T'es blessé, mec ? Y'en a un qui t'a mordu, bouffé, embrassé. Non, je suis ok, ça va, j'ai pas été blessé, pas mordu. T'es sûr, mec ? Ouais, je suis sûr, mec. Écoute, on va pas te laisser le fusil, man. Alors tu nous dis exactement où tu crèches et on passe le prendre, ok ? Ouais, mais j'y gagne quoi, moi, là-dedans ? Putain, Alex, il va pas le rendre comme ça. Faut un deal, un échange. Dis-lui qu'il peut crécher ici et qu'il laisse son connard de chat. T'es malade ! On connaît pas ce type. On sait même pas s'il a pas été bouffé ou s'il va pas nous flinguer. Qu'est-ce que je dis, ou t'oublies le fusil, crétin ? Ouais, ok. On passe te prendre, on a des vivres et quelques armes, mais tu laisses ton chat où il est. Désolé, mais soit le chat vient, soit vous avez pas le fusil. Ok ? Il dit que le chat doit venir. Je déteste saloperie. Tu lui es ok ? On trouvera un moyen ? Et où est-ce qu'on peut te trouver, man ? Et c'est quoi ton nom, man ? Thank you.
3 jours. Incroyable. Il leur faut 3 jours pour monter une opération de sauvetage. 3 jours pour préparer la voiture, la renforcer, préparer leurs armes. 3 jours avant de venir me chercher. Ou plutôt, venir chercher le fusil, si j'ai bien compris. Je ne dois pas me laisser avoir. J'ai 3 jours pour bien être sûr de ne pas rester sur le banc de touche. Et j'ai aussi 3 jours pour manger la dernière boîte de thon. Y a plus rien ici. T'entends, petit chat? On va déménager avec d'autres gens en société. On va pouvoir échanger, peut-être rire, boire, fumer, baiser, que sais-je. C'est pas génial, ça? Hein, petit chat? Petit chat, petit chat, petit chat. Petit chat, on va rentrer qu'avec des gens. Petit chat, 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 petit chat. Hey, oh, t'es con. Oh, t'es pas obligé de mort, petit merdeux. C'est genre de fête aujourd'hui, hein? Petit chat, petit chat, petit chat, petit chat, petit chat, petit chat. Ouais. Va pas. Pas du tout. Je crois que j'ai de la fièvre. Et ce cauchemar qui revient sans cesse. Je la vois, elle. Elle me manque tellement. J'avais oublié son visage, mais là, il me revient clairement. Sans aucune brume. Elle est en face de moi. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître. À leur cicatrice, se font reconnaître. Et elle m'appelle. À leur cicatrice. Elle m'appelle. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix a traversé le temps de guerre. Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu. Ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Je la vois, mais tout d'un coup, tout s'effondre. Des images qui reviennent sans cesse comme des mélodies qui résonnent dans mon crâne. Et cette fièvre, elle m'appelle, il m'appelle, c'est de plus en plus fort, et je ne suis pas sûr de pouvoir résister. Il m'appelle. Sans trace, je chasse les zombies devant d'un geste efficace l'appartement. Sans trace, je chasse les zombies devant d'un geste efficace l'appartement. Et elle me manque. L'appartement. Les amants se perdront, mais l'amour restera. Et la mort n'aura pas d'empire. Depuis combien de temps? Et les 3 jours! 3 jours! Ils vont venir. Oh putain! Putain! C'est ce chat! C'est le chat, putain! Putain! Et ils arrivent. Et je n'ai pas le temps. Oh ma tête. Pas maintenant. Non. Non. Ah.
Le chat. Rien. Je t'avais dit qu'on aurait dû rester dans la voiture. Y'a pas moyen, on part pas sans le fusil. Ah, putain, c'est plus de merde. Ah, ah. Ah.